les mecs, ces petits bandits. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va aller faire une balade en duo. Ça fait longtemps, la dernière c'était à Morlaix, ça devait être l'été dernier je crois. Balade en duo avec la particularité que cette fois, ma pote que je vais aller voir, elle est carrément OP pour, comment dire, piloter. En plus aujourd'hui il fait beau, il fait chaud. Donc là je finis de faire chauffer la moto tranquillement en roulant en ville. Ensuite on se quittera et on se retrouvera soit directement en train de tourner avec elle, enfin lui montrer, le rouler, soit en se baladant. Donc écoutez, moi je vous dis à plus tard, on va rouler, je vais la rejoindre, j'en ai pour je sais pas, une demi-heure de route peut-être, un truc comme ça. Donc écoutez, moi je vais rouler et puis je vous dis à tout à l'heure les mecs. Allez, ciao. Ça fait longtemps. Ah ben. Ça fait longtemps. La première c'est en bas, tout le reste c'est en haut. Ouais. Là t'as le voyant de neutre. Ouais. Vas-y, embraye à fond, passe la première. Voilà, et remonte pour trouver le point mort. Voilà. Hésite pas. Ah bah oui, mais faut embrayer. On va refaire à la base de la base avant, hein, s'il te plaît. Faut que tu la mettes au point mort par contre. Là t'y es. Ouais. Du coup, voilà ça. Ouais. Je n'ai jamais utilisé ça. Ah si, au contraire. Tu freines quasiment jamais de l'arrière. On m'a toujours dit d'utiliser ce train là. Tu freines de l'avant et l'arrière, en fait, le danger avec l'arrière plus qu'avec l'avant, c'est comme faut appuyer fort. Si tu vas pas vite, t'as vite fait de bloquer la roue arrière sans t'en rendre compte. Enfin, tu vas t'en rendre compte du coup que tu bloques la roue. Alors qu'à l'avant, avant de bloquer, ça va se mettre à trembler, ça va se mettre à guidonner un peu, donc t'auras juste à relâcher. Mais de toute façon, là, vu que tu vas pas rouler vite, juste en relâchant les gaz, ça va ralentir. Mais je vais plus à freiner ici. Ouais. Alors après, c'est pas trop dur pour appuyer? Non. Parce qu'autrement je peux le régler. Ouais, de toute façon, frein, mais mets ta main. Dès que tu. Hop, attends, hop. Déjà là, si tu tires un petit peu, tu vas sentir qu'elle ralentit. Au niveau du frein avant, elle réagit pas trop mal. Si jamais tu tombes, ce qui peut arriver, tu sautes là-dessus, tac. Coupe-circuit. Après, on la relèvera, c'est pas grave. T'as pas peur qu'elle tombe? Si elle tombe, elle tombe. Hein. Bah, si tu sens que tu tombes, t'essaies de l'accompagner au pire. Et puis, bah, si tu tombes vraiment, tant pis. Hein. Tant que toi, tu te blesses pas. Ouais, par contre, ouais. C'est une petite. Faut la. Okay. C'est une vieille moto. Voilà. Mets du gaz. Moins. Vas-y, mets un peu de gaz. Voilà. Voilà. Va chercher loin le regard quand tu tournes. Ah, si tu mets la béquille, ça va caler. Ah voilà. Hein? Je croyais que t'allais mettre la béquille en première. Ça va quand même. Ça fait bizarre. Ça fait trop bizarre. Mets du gaz, un peu de gaz. Regarde-moi! Quand tu tournes au bout là, peu importe le sens, faut que tu cherches les petites ardoises, les plantes. Parce que tu vas voir qu'en fait, si tu regardes là, toute seule la moto elle va tourner. Alors que si tu regardes par terre, si tu regardes par exemple, si tu tournes à droite et que ton regard il part à gauche, et bah t'auras beaucoup plus de mal à tourner. Alors que si tu tournes et que tu vas chercher loin, et bah ça tournera tout seul. Et pareil dans ce sens là, quand tu tournes, tu vises les places de parking ou à peu près au milieu en fait. Et tu verras que ça tourne tout seul. Et quand tu pars, hésite pas, hein. Ouais, ça fait du bruit, donc mais hésite pas quand tu pars à. Pas autant, mais. Tu vois? Tu montes à 2-3 000, entre 2 et 3 000 pour partir. Ouais, et après pour la 2, ça passe entre 2 et 3 000? La 2. Ouais, pareil dans cette zone-là. Plus entre 3 et 4, on va dire. Parce que sinon, comme c'est un 4 cylindres et qu'il est bridé, si tu passes ta 2 trop tôt, t'auras pas de pêche pour repartir, elle va brouter. Donc plus vers les 4000. Et je voyais ton pied pour le sélecteur de vitesse, comme t'as des talons, je voyais t'avais le talon posé sur le cale-pied de l'autre côté. Ouais. Cale-le comme ça, ça va.
ça fera un pivot. Elle s'est arrêtée en brier. Elle s'est arrêtée en deux, non? Ouais, tu t'es arrêtée en deux, non? Ouais, c'est ce que j'ai senti. Parce que déjà, sur le virage, t'as dû te faire un petit peu peur, vu qu'elle, tu vois, en deux, à bas régime, elle broute et elle continue d'avancer. Ouais, mais en fait, là, c'est une partie, elle n'est pas assez grande pour que je fasse... Ouais. Je sais où on va aller dans la zone de Saint-Barth, là où il y avait des concentrations de stunts avant. C'est un parking large.